Nouvelle coupe, nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Rodolphe et dans cette vidéo, comme tu l'as vu, je vais te présenter comment faire une routine matinale sur mesure en tant qu'un jeune entrepreneur africain. Let's go. Donc tout d'abord, une routine matinale, c'est un ensemble d'actions que tu vas accomplir en fait chaque matin avant d'entamer ta journée ou bien avant d'en commencer ton activité principale. Et la première chose à faire chaque matin, c'est de se lever tôt. Il faut commencer à se lever tôt, c'est très important. Supposons que tu es toujours chez tes parents et tu te lèves à 9h. Donc automatiquement, tes parents vont te percevoir comme si tu n'as rien à faire dans ta journée. Donc quand tu te lèves, tes parents peuvent te dire, toi viens, je vais t'envoyer ici, toi viens, prends le seau là-bas pour me puiser de l'eau. Donc toute la journée, tu ne seras pas productif. Donc pour éviter cela, commencez à se lever tôt. Imaginez que vous levez tôt, imaginez à 5h par exemple. Tes parents ne vont pas venir te déranger parce qu'en ce temps, tes parents aussi sont en train de dormir. Mais toi, tu es concentré sur ton objectif, en train de bosser sur ça. Donc c'est très important, il faut commencer à se lever tôt. Si aujourd'hui tu te lèves à 8h, commence à te lever à 7h, pourquoi pas à 7h. Donc une heure de temps pour bosser sur ton activité, une heure de temps pour... Donc après cela, il faut faire une liste de tâches faciles que tu vas faire chaque matin à ton réveil. Il faut faire au moins 5 tâches. Il ne faut pas que ça dépasse cela. Pour mon exemple, moi ce que je fais chaque matin, quand je me réveille en même temps, je prends 15 minutes de méditation. Après, je bois de l'eau pour hydrater mon corps. J'écris toutes les idées qui me viennent dans ma tête. Parce que quand on se lève le matin, il y a un brouillard mental qui se fait. Donc il y a des idées qui viennent dans la tête. Donc c'est très important de les poser dans une cahier. Parce que quand tu vas commencer ta journée, tu vas te concentrer sur ton activité principale. Tu vas éviter, en fait, toutes ces idées là ne viendront pas, parce que si tu ne les poses pas, les idées là vont revenir et va commencer à te distraire dans ta journée. Donc c'est très important, quand tu te lèves le matin, il faut écrire toutes les idées qui te viennent dans la tête par rapport à ta vie personnelle, mais par rapport à ton business, c'est très important. Et après cela, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne pour améliorer mon éloquence, parce que toutes ces tâches là que je viens de citer, c'est en fonction de mon objectif à long terme. Donc parce que si tu le fais chaque matin à long terme, donc tu vas produire des grands résultats. Donc c'est très important, il faut faire toutes ces tâches là en fonction de ton objectif pour en fait pour l'année ou bien pour le mois. Maintenant après cela, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire du sport, je commence à bouger. Le sport va te permettre de stimuler ton cerveau, parce que ça va te permettre d'être positif dans la journée, de bouger dans la journée. Donc le sport est très important, moi-même j'ai essayé et ça m'a tellement appris beaucoup de choses. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, et si la vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines, et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao.